sous le haut-parrainage du ministère des Affaires liées au Meta et le co-parrainage des groupes Affairés et Papato de Facebook, ainsi que de la chorale Vanité des Vanités, Manuelis TV lance la première édition des Awards des Affairés et reporters du Meta ivoirien et africain. Chers annonceurs, veuillez associer votre image à cet événement majeur. Je sais plus. Facebook, c'est trop chic, quoi. De temps là, on cherche parrain quand il n'y a pas. On a eu la tort, nous on n'a pas les parrains là. On a beaucoup souffrance, on a beaucoup eu la tort. On a tellement souffert maintenant. Parrain par ci, par-ci. Parrain par là. Par là. On sait plus. En tout cas, moi je suis là, mais je cherche parrain comme ça. Parce que là, je dois blanchir mes dents. Mais je brosse mes dents, tous les pattes blanchissant. Aïe. Mais dans l'air toujours jaune, on dirait que c'est dans ma bouche, on fait sauce graine. Je sais plus. Et... Attends. Il y a quel souci, s'il vous plaît? Donc vous dormez encore? Il y a certains quand il leur dit que on dort plus sur le métal là. Et parce qu'il m'amuse. Parle, il y a quel souci? Ne me fais pas les banquins. Et c'est babotac. Je coupe les poissons quand je parle là, vous ne comprenez rien. Mais il y a certains qui sont assis ici, si il leur dit que... à faire des paris, ils seront bleus. Ils vont dire, mais ici dans quoi? Ici dans quoi? Tu es dans quoi? Va vite chercher banc. Père, pour toi, c'est plus tabouret. Va chercher banc, viens t'asseoir. Parce que j'ai deux mots de même nature à te dire. Journal télévisé. Ouvrons ce journal par de toutes nouvelles images. Si Facebook là, ah bon? J'ai tout noté. Ah bon? On va venir faire le débriefing. C'est de ça qu'il s'agit. On va venir faire le loup débriefing. Comme vous le savez, chaque vendredi, sur NCI, le Yves Hidero Show. On était tous assis, on regardait. Yves Hidero, aujourd'hui là, ce jour-là, elle avait invité deux miss. C'est-à-dire, elle vit à Agbemadon et Kadik. Les deux miss là, elles sont venues, c'était toutes jolies, toutes belles. En tout cas, l'émission a commencé, comme vous savez, ils ont commencé à poser les questions. Si elle fait de miss, comme Miss Koulou dit, elle fait ça, qu'elles font quoi, elles ont fait quoi, tout ça là. Il y a une question jusqu'à, je sais plus. Arrivez là. Donc, on est quitté dans ça, on est rentré dans notre game. On est passé dans une affaire de, mais vous voyagez. Et aussi, on dit souvent que, bon, là-bas là, de l'organisation là, souvent vous gérez. Quand vous voulez faire Miss là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous donne l'argent, mais c'est votre propre argent? On gère, je pense pas, non. Moi, je l'ai jamais fait. Bon, j'ai pas eu de parrain pour le début. C'est après le concours que j'ai rencontré c'est mon parrain. C'est très qui le parrain? Il dit que moi, il y a une marraine. Ah, j'ai eu des marraines et non des parrains. Des marraines? Oui, bien sûr. On peut avoir les noms des marraines. Oui, bien sûr. On dit, est-ce que tu peux dire le nom de ta marraine? Elle dit oui, ok, voilà le nom de ma marraine. Elle a dit. Marraine, je dirais Bijou Koné. Bijou Koné, bien sûr. Miss Agbemadon, elles sont loups, non? On lui demande, tu as un parrain? Elle dit que oui. Maintenant, il faut dire le nom de parrain, là. Après, elle veut changer bouche, là. Elle dit que non, ok. C'est pas un parrain. Moi-même, il y a même marraine que la fille qui a dit tout de suite, là. Qu'il y a même marraine que Kadik. On dit, quand tu commences, il faut terminer. C'est de ça qu'il s'agit. Yes. Tout de suite que tu nous as dit que tu es un parrain. Elle dit non, que c'est un grand homme. Il ne peut pas dire son nom. Toi, tu sais pas qu'il y a des choses qu'on dit là. C'est là qu'on prend cotonnette et puis on nettoie bien dans nos oreilles pour pouvoir bien entendre ce que tu vas dire. Là, tu as activé nos antennes des affairés et papato et reporters du Meta. Donc, on peut plus faire entrer antenne là. Sinon, tu vas payer la location. Ok. Et on peut pas faire ça. Donc, dans ça, vu que Yves Hidero, elle, c'est l'une des plus grandes papato. Elle-même, là, c'est elle-même qui est dans... TV, Manuelis TV, là, c'est elle qui écrit les scripts. C'est elle qui m'envoie pour aller chercher les informations et puis venir. Donc, elle-même, là, elle pouvait pas laisser. Elle dit, hé, ma chérie. Pardon. Que faut dire dans mon oreille. C'est grand et ça, puis rien que... Ils vont entendre ça. Dis dans mon oreille. Tu as pas dit à tout le monde. Pas ce que tu dis. Non, j'ai pas dit. Voici la fille aussi. Je sais pas si elle dit que... Elle est bête. Je ne sais pas. Mais au lieu de dire non, je suis catégorique. Il y a des gens, on est vu sur les plateaux, il ne veut pas dire, ils ne disent pas. Même si c'est dans ton oreille, il n'est pas dit. Normalement, c'est ce que tu devais faire. Mais non. Elle est partie dire ça d'oreille de Yves Hidero. En temps, Yves Hidero aussi, elle a micro. Donc, ce qu'elle a dit, c'est ça qui est ça. Quand elle a dit ça comme ça là, ça fait que ça, bang, dans l'oreille de Yves Hidero, ça a traversé tout son corps. Ah, c'est pimenté, hein? Hé! Le nom, tu
de dire là. Est-ce que tu es sûr? Tu es sûr de ça? Tel le Saint-Esprit brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, ouais. Il a dit ça traversait son coïca. En tout cas. Mais je n'ai pas à dire. Si vous avez entendu. T'as même dit ça que. C'est qu'il a entendu. C'est que est là. Parce que le nom là, quand il a entendu, là, il dit chou. C'est ça, c'est ça. Faut pas, je vais oublier ce nom. Je suis allé chercher mes deux bics. Pointy. Il les a achetés Togo Togo, bic rouge et bic bleu. Il a écrit le nom et puis il a souligné en rouge. Pour ne pas oublier parce qu'il devait venir vous dire. Ok. Et en tout cas, cette nouvelle-là, ça a troublé Yvi pendant tout le séjour qu'ils ont eu à faire sur ce plateau télé. Oh. Après l'émission. Il y a une idée. Parce que, je ne sais plus, Yvi a raccourci, a dit allons à la pause directement parce que je commence à m'énerver. Allons au Doka. Allons au Doka parce que je commence à m'énerver. Au Doka là. Quand elle était dans Doka, elle est revenue. Elle dit hey. Attendez, je l'ai attendez. Que vous oubliez tout et ça. Elle prend mes esprits. Le nom tu as dit là. Tu es sûr que c'est lui ton parrain? Quel est le nom que tu as dit là? C'est vrai ou bien c'est songe? Parce que je me pince depuis là, je vois que je suis dans, encore dans la réalité. Voilà, c'est clair. Elle dit c'est vrai, c'est ça. En tout cas, si c'est ce que vous avez entendu, c'est ça qui est là. Donc, Yves de Rue était assise. C'est-à-dire, elle dit, je comprends pourquoi mon parrainage avait diminué ces deux temps-là. Mon budget de parrainage avait diminué. Donc, il mange de même assiette que la fille. Eh oh. Donc, les gens après ont soulevé à faire de... Vous connaissez le métal, là. Ils ont soulevé à faire de... Donc, on mange dans même assiette. Ils ont soulevé assiette de... à faire de parrainage. Je dis le métal, ça sentait parrainage comme ça. Tu passes ici, ça sent parrainage. Tu passes ici. On dirait quand tu es à 13 jours que tu sens les odeurs, je ne sais pas où. Ou bien à Koumassi, là. Quand tu rentres, odeur que tu sens, là. C'est parrainage là qui sentait comme ça. Ça fait rire. Eh oh. Donc, vous connaissez Ivio. Quand les gens commencent à l'attacher, elle sort, elle fait poste. Elle a fait poste pour naguer les gens. Tu fais des choses à ta guise. Ça, c'est pas déjà normal. Eh, que vous pensez que ce que vous dites à Samedi fait quelque chose? Ça me fait rien. Restez là. Sautez, c'est pour vous qui est grave. Dans sa publication, nous a dit que vous voulez forcément, que nous on veut salir une personne qui aujourd'hui a aidé beaucoup de personnes, que M. Adama Big Togo a apporté son soutien à son premier spectacle, que c'est un grand homme, pendant que tout le monde allait tourner le dos, qu'il ne faut pas saluer le monsieur, tout ça là. En tout cas, elle en a parlé. Mais vous connaissez les gens aussi, le méta. Et c'est ce qu'il veut dire là, qu'ils disent. C'est de ça qu'il s'agit. Yes, sir. Après, elle est partie bloquer la partie commentaire des posts. Parce qu'on dirait que ce que les gens disaient là-bas là, ça glissait plus trop sur sa peau. Gombo était fini. Ça commençait à entrer dans sa peau. Voilà, c'est clair. Donc elle est partie désactiver les commentaires. Tu vois les retombées? Je ne sais plus. Un temps, ouais, Emma Louis, deux temps, elle est partie voir son parrain. Je ne sais plus le maire de choses. Aïe, que... C'est un balfrat. Le petit là. Allez là, le parrain. Il dit je cherche parrain. Oh, je cherche parrain. Qui va me parrainer? Je ne sais plus. Mais le truc, c'est que nous-mêmes, on sait qu'il vit de rechaud seulement là. Chaque semaine, après émission, on a du travail nous autres. Nous autres, les reporters, c'est eux les stars. On les regarde. Ah, oh, les. Moi, vous regarde. C'est vous les stars. Elle seule dans son émission, il y a eu buzz de Eunice Sunon, buzz de Sarah Messon, Jonathan Morrison, je sais plus. Jusqu'à maintenant, affaire de sous le haut parrainage du ministère. Yeah! En tout cas, vendredi prochain sûrement, on sera connecté. On va refaire sortir nos antennes des affaires internationaux. Facebook, c'est trop chic, quoi. Parce qu'on aura encore du boulot. Je vais aller acheter mes deux bics bleus. Mais je dois être beaucoup écrit. Je vais acheter mes deux bics bleus pour garder. Maintenant, j'ai besoin de deux Togo. C'est ça. C'est le prix. Parce que, ah, ça là, vendredi qui arrive là, on ira encore au Doka. Voilà, c'est la fin du journal. J'espère que vous avez liké, vous êtes abonné, vous avez partagé. Et vous, vous connaissez. Abonnez-vous dans la page. Je vous claque le bisou. Je vous claque le bisou. Bon, au revoir. Il y a fini avec vous maintenant. Et il m'en vais. Je m'en vais. Je vous laisse maintenant. Je pars. Attendez. Si tu n'es pas content,
Bisous là-bas. Si tu n'es pas content, si tu es trop fâché, là-bas.